Voici donc une vidéo qui va concerner donc des bouquins, des livres qui sont basés sur une maxime grecque fortement utilisée en philosophie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est une maxime de Socrate. Socrate, je crois. Voilà. Chez Platon, Socrate explique que la sage-femme n'enfante pas. Elle-même, elle se contente de faire accoucher la femme, la philosophie qui se définit comme trois petits points. Voilà, je lis ça d'ici. Donc, c'est une philosophie provenant de la maïeutique. Maïeutique, voilà. Anciennement appelée, voilà, maïeutique. Donc, l'art de l'accouchement des idées. L'art de l'accouchement des idées. Et donc, vous explique un petit peu ce que c'est que la maïeutique ici, selon Socrate. Hein? Et qu'il existe toute une panoplie de bouquins qui prennent en considération cette fameuse maxime de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et voici un livre, un exemple de livre, de, je ne sais plus c'est comment, Jan Lipnik. Jan Lipnik. Bon, ils sont en plusieurs tomes, là. Les bouquins de Jan Lipnik sont en plusieurs tomes. Voilà. Et bon, ici, je vous ai mis en image, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et les dieux, voilà, et vous avez toute une panoplie de livres qui y consacrent, je veux dire, voilà, une façon de voir les choses. Alors maintenant, c'est pas forcément la maxime complète qui est reprise, c'est bon, une partie de la maxime, connais-toi toi-même, et certains ont fait des bouquins avec connais-toi toi-même. Alors vous pouvez les voir ici, hein. Il y a plusieurs, de nombreux livres de Jan Lipnik, voilà, mais tous ne sont pas bien sûr de Jan Lipnik. On retrouve beaucoup Gnotny Sauton. Voilà, et vous pouvez parcourir en tapant tout bonnement connais-toi toi-même et vous aurez toute une panoplie de livres qui pourraient ressortir sous ce thème-là. Vous voyez qu'il y a de nombreux livres qui apparaissent sous le thème de la maxime partielle de Socrate. Alors ici, vous avez un autre livre de Jan Lipnik. Voilà, connais-toi toi-même. Je vous dis, il est en plusieurs, ils sont en plusieurs tomes. Hein. Il y a plusieurs bouquins sur la dénomination connais-toi toi-même. Voilà, c'est pour vous dire qu'il existe pas mal de bouquins. Et je vous laisse continuer la suite. Et voici par exemple un exemple de livre qui n'est pas de Jan Lipnik, qui est de Lucien Gerfagnon, qui est toujours un bouquin de sous-titré, enfin sous la dénomination Connais-toi toi-même. Bon, il existe d'innombrables ouvrages ou des
les écrivains ont pris cette maxime partielle de Socrate pour édifier un petit bouquin de psychologie. Je vous remercie.